Défoncez-les, jouez la survie. Ok, allez, go les démonter. Non, moi, là, j'enchaîne. Défi. Ok, finissade. Personne près du centre. Il y en a un, c'est impeccable ceci dit, mais faites gaffe à ne pas prendre le reste. Allez, on dodge bien. C'est des defs. C'est les defs. T'as pas de CD def, mon chasseur? Si, il me donne de la vie, mais il a une minute de retry. Fluffy. Oh là, t'es mort. Ah, t'es pas mort, je sais pas comment. Pas. Si, c'est bon. Ok. Mais moi, je sais pas pourquoi je suis mort. J'ai pris le feu et je suis mort juste après. Vas-y, Tuco. Je prends le truc. Okay. On peut tenir encore un peu. Sauf que t'as un truc pour te aider, Tuco, une potion ou quelque chose? Non, j'ai déjà eu. Shit. Mon prochain AOE que je finis, je suis mort. Essaie de le descendre au max, je tiendrai tout ce que je peux. T'as un CD, quelque chose là? Ouais, du tout. Non, j'ai un. Bah, j'ai un petit heal, mais bon, c'est pas. Ouais, mais une minute à retry le CD. On a 30% de heal une fois. Alors que tu prends le CD du mage glace, c'est toutes les 30 secondes et il dure 30 secondes. Le chasseur, c'est, je pense, c'est le pire CD def du jeu. Get away from teammates. Ah la putain, stun juste avant le. Ah, juste avant. Combien de temps? Bah, va falloir le tomber, les gars, hein. Va falloir le tomber. Ouais, le CD il redonne 30% de PV, mais une minute de recharge. Ouais, toutes les potions d'après le charge. Garde, le CD logiquement par contre t'as besoin de le garder que pour le truc de feu. Logiquement t'en as un sur deux en truc de feu et ça doit compenser. Allez c'est reparti. Après, ça va les potions c'est pas cher, c'est pour mettre 50. En phase 1 ça sert à rien, oublie pas. Gardez bien vos CDF pour la toute première E en phase 2. Enfin en phase 3 techniquement même. Quand on est quand on revient en fait de l'autre zone. Il n'y en a pas besoin avant. Si vous en avez besoin avant, c'est que vous allez être foiré quelque part. Ça par exemple on s'en fout, c'est la Fluffy Wildra. Ok, go la boule. Sauter, on saute, on s'arrête pas. Vous pouvez sauter sur place, hein, ça marche. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu prends, Tuco? Bonne question. Doré, qui a été une petite bouboule. On est bien logiquement là, si vous avez pas pris le stack, on est pas mal. Hein. Et j'en ai pris un peu moins. Vous devez être à moins de 20 logiquement là. Je suis à 30. 29. N'oubliez pas d'aller sur les mobs avec. Ouais, vous avez l'autre chose autour de vous. Ok. Allez. Elle part en prendre la boule des Kelpop. Gaffe aux galaxies. Ok, sautez.
On saute, c'est les def. Sauter, c'est les def. C'est bon. Allez, tout le monde est en vie. Allez, remonte dans le tourbi. Mais bon, d'abord, sinon. On essaye à 3. Allez, Nila, vas-y, tiens le coup. T'as un truc pour te remonter, Nila. Logiquement, avec ton bout, tu peux te remonter. Moi, je tiens, logiquement. Si vous tenez, je tiens. Il faut la boule, je vais crever. Putain, j'ai pas pris la boule, lol. T'as ton boubou, Nina? Ouais, impeccable. Je sais pas, ça te... t'as une popo ou pas? Ouais, non, ça te tuera pas le bouclier. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce boss? Là, pour le coup, notre rôle des Black Pill, là, c'est effectivement un manque de heal. Hein. Ouais, je pense bien. C'est pas pour t'embêter, c'est pas pour troller. Là, en gros, logiquement, on doit être full, en fait, avant le tourbi, quoi. J'ai pas que c'est facile, attention, hein. Je dis juste que c'est ce qu'il faut. Et même si je vous mets full, en fait, durant le tourbillon, ça descend tellement que... Bah, parle du tour principe, on n'était pas full. En fait, avant le tourbillon, il y avait encore des gens à 30%. Ouais, t'as plus de 50% du groupe. C'est en gros, il fait le truc de feu, faut en monter une première fois. Il faut que tu le remontes justement au-delà de 50% pour tenir le tourbillon. Je sais pas si t'as un CD, quelque chose à garder à ce moment-là. Mais je ouais. Je peux tout balancer pour mettre tout le monde à 100%. Mais durant le tourbillon, je pourrais pas. Oui, mais le tourbillon, il fait pas de notes. Hein. Le seul truc qui fait des notes, c'est le feu. Le tourbillon, il va enlever genre à peu près la moitié de nos points de vie. Allez, on est reparti. Même si tu tiens au moins un truc, ok. Au prochain coup, feu puis tourbillon, on perd des gens, c'est pas grave. Que là il sera pas à 30% mais il sera peut-être à 10%. Au pire on le finira à 2 ou 3, c'est pas dramatique ça. Il faut que tu puisses, que là on n'a pas encore survécu une seule fois le combo feu tourbi. Si on survit à ça une fois, c'est gagné. Toi le tourbi, boum, c'est 50% à peu près. Tout le monde était pas full. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre rien du tout. Ça fait pas de dégâts en P1, vous inquiétez. Enfin, pas de dégâts. Enfin, un peu mal, mais voilà. Pas. 13 000. T'as pas une rampe pour healer ? Je veux bien savoir ce qui m'a tué là. C'est là-haut, l'annihilation fait un peu de dégâts quand il change de phase. Oh, d'accord. Go, go, go. Ok, impeccable. Éloignez-vous des vestiges de destruction. Ah oui, non, c'est les boules. Oui. Ok. Concentrate, attack. Alors, parfois, ça c'est important aussi de ne pas le prendre en mode. Ah, go la boule, rouge, on kite. C'est pas en mode mauvais ou autre, c'est en mode peut-être qu'il y a un build aussi à refaire niveau point de talent. Peut-être qu'il y a des choses à changer là-dessus quoi. Je connais pas le prêtre, je suis pas healer hélas. Mais Ah, sinon tu fais build recommandé hein. Ça parce que le prêtre, alors il est peut-être un peu en dessous en termes de heal de zone, mais peut quand même en faire un minimum. Ça doit pouvoir le faire, mais... Le prêtre, il est moins bien que les autres? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. Ok, on fait bien attention, donc oubliez pas, là il y a le combo feu, tourbi, il faut survivre. La faille go, on saute. Évidemment. Feu, mais déjà de mort. Mais comment vous êtes mort? Allez, stack. J'étais stun. Mais stack par quoi? Parce que j'ai évité toutes les boules grises et tout qu'on a eu avant. Je sais pas. Que t'as peut-être pas bien sauté, je sais pas. On se tape là, on va faire les changements. Désolé. Mais bon, au moment. Voilà. Hop. Tac. Moi, par contre, pour moi, il commence à être tard. Donc, pas de soucis. Ceux qui l'ont filé. Aussi, hein. Ceux qui veulent rester.
Mais ouais, je vais. Donc, Minovo, tu vas te coucher. Et Black Pige, on va voir. Surtout, on va essayer avec un autre heal. On va galérer aussi. Hein, et bah, ce sera pas toi. Mais pour moi, il y a un truc à. Ce que je l'ai fait avec Nidjan, il était prêtre aussi. Donc, je pense que c'était une histoire de build. Parce que, mine de rien, les points de talent, faut pas les sous-estimer. Hein. C'est. Enfin, ça fait tout, quoi. Ils sont vraiment. Il y a un gros théoricraft à faire là-dessus. Hein. Donc, bonne soirée à ceux qui filent. Ninatsuko, est-ce que vous voulez qu'on. Réessayez-vous. Allez, bonne nuit. Ouais, ok. Bonne nuit, bonne nuit. Hop. Nina, yes. Est-ce merci que. Pour la soirée. Bonne soirée, Blackpi. Bon, on a fait quand même le chef. Est-ce qu'il y a un heal, un DPS dans le chat qui veulent nous rejoindre pour du défi hein. On va refaire le premier donjon. Hein. En défi, je veux qu'on tombe quand même. On lâche pas. Un heal et un DPS. Ah, en P2, enfin, quand on vient de la phase avec les ZAD, là, il met son AOE avec le DOT, il m'enlève une barre de vie. Ah non, mais c'est dur, hein, il fait. Il y a Xela, ok. Avec qui tu veux venir? Il m'enlève quand même une barre de vie. Avec qui est-ce que tu veux venir, Xela? Moi, je m'en fous du perso, donc je m'adapte. On peut avoir soit un tank, enfin, il nous faut un heal, c'est sûr, et ensuite soit un tank, soit un DPS. Avec qui tu veux venir et en quel rôle, Xela? Il répond plus, je lui ai fait peur. Grau Grau, si pas de heal, je prends le nécro. Grau Grau, ça répond toujours pas par contre. Grau Grau tank ou Grau Grau DPS. Parce que si tu viens en tank, je prends le mage. Ça pas plus fort. Et si tu viens en DPS, peu importe le perso, je reste en tank, pas de soucis. Je suis dans tous les cas, moi je ferai les trophées, je les ferai sur les deux persos. Donc, comme ça on les refera avec d'autres membres de la guild. Et Lyrix, tu joues quel rôle? Attends, si tu m'as dit avec un prêtre, c'est ça? Je suis dedans avec ma prête, ouais, ok. Je peux tant que ça me va, comme ça tu passes sur le lago. Oh, ça me dérangeait pas de rester sur le pal, hein. Tiens, bah, Nina, tu es la chef. Transférer le titre de chef d'équipe à Nilouise. Bim. Alors là, pour le coup, c'est plutôt un healer, ce qu'il nous faut Lyrix, désolé. Attends, donc, tac. Hop. Là, il va nous falloir un heal. Est-ce que Fétan, tu es là, ou un autre heal? Hop, on va sortir le mage, on va l'arracher tout ça. Et le... groupe-moi Nina, s'il te plaît. Je suis que 34 sur ma île des eaux, pas de soucis. Attends, est-ce qu'il y a des îles de connecter, ceci dit tout court? Il n'y a pas de île en fait de connecter. Hein. Donc ça veut dire que... il faudrait que Xela, tu viennes sur ton... Sur ton heal, je repasse sur mon tank et Lyrix, tu viens en DPS. Globalement, si j'ai pas de conneries. Hein. Parce que je vois de toute façon avec sa classe par, rôle. Leech, ça c'est un prêtre, ça peut pas. Luffy, donc non. C'est ça. Y a pas le choix. Ok, donc c'est reparti. Hop, Nina, félicitations, tu redeviens chef. Ok, on va faire ça, on va essayer. Exela, ça va aller le heal sur téléphone? Easy? Non, mais c'est en raid, t'as un milliard de trucs. Ah oui, en raid défi, clairement, il y a beaucoup de choses. Là. Ok. Vas-y, Nina, s'il te plaît. Merde. Mobile, là. Ok, donc, Lyrix, c'est qui ton guerrier? Dis-moi tout. Et Xela, il va prendre son écro. Voilà, il est là, Xelanos, boum. Ajoutez-vous un ami. J'arrive, je me couvre avec, ça roule. On va voir ce que ça donne. Bon, rejoins la guilde, hein, ça sera plus simple si ça te va. Et bueno. Hein. Et on va refaire le premier en défi. J'ai l'impression qu'il est devenu par contre plus dur depuis qu'on a level up le donjon. Avec le scaling, effectivement. Je pensais que ça scalait pas, bah si si. J'avais tort, clairement. J'ai l'impression qu'il est effectivement devenu plus dur, cette biotech du chaos du démon, là. Quel enfer! Et Nidjan, il fait quoi là? Il m'a dit, ah, il est chaud, à jamais. C'est au casu. Et merci Nanon pour le follow, bienvenue. Casu Nidjan. On va avoir un healer mobile, les gars. N'inquiétez pas, il sait ce qu'il fait. Oh là là là.
Ah, il y en a pas mal à Noratin. Franchement, ils sont stylés, les mini-jeux. Je les ai pas mal fait sur le mage. J'ai pas tout, tout fini. Mais c'était plutôt fun. Tout de suite, les grands mots. Ça fait bien réfléchir, mine de rien. C'est loin d'être... Les plus poussés en level, c'est loin d'être facile. Hein. À ne clairement pas sous-estimer. Sur quoi tu bloques, Milo? Au parc d'attraction, je suis con, mais non. Mais non. Ils sont pas simples, hein, en vrai. Les trois. Alors déjà, oui, bon, bah, on a un problème, il y en a pas trois, il y en a genre 9 ou 10. Donc c'est compliqué. On parle des en mode gachapon. Ah, non, on parlait pas de ça, nous. Alors, ça s'appelle gachapon, mais c'est pas du gacha, par contre. Hein. Ce que j'ai vu, certains sites, en fait, comme ils ont vu ça, dire que le jeu est un gacha, ce n'est pas un gacha, j'y jouerai pas sinon. Hein. C'est gachapon parce qu'ils ont repris le visuel des petits distributeurs de boules japonaises. Mais c'est des purs jeux de réflexion. Hein. Rien à voir avec du gacha du démon. Hein. Ça, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il fallait faire. Tu t'en sors ou pas, Lyrix? Ah, c'est vrai, il avait dit quelques minutes, hein, c'est vrai. J'ai pas testé là. Pas testé la cuisine. Je suis là, ça roule. Alors attends. Ajoute-moi un ami ou comme tu veux. Soit tu m'ajoutes un ami, soit tu rejoins la guilde, soit tu me whisp, mais. Ça, pas de problème. Ajoute-moi un ami dans ce cas-là. ICEKE, I majuscule. Ouais, il est pas facile à remonter au niveau 3. J'ai mis un peu de temps. Il m'a bien fallu bien. En vrai, bien 10 bonnes minutes. Hein. Il est pas évident, hein, le. Il y a un truc, une fois que tu vas voir, je peux pas te l'aider parce que bon, faut être dessus quoi, mais c'est bien celui où il y a les 4 carrés autour du centre et qui te ralentissent. Et tu l'as trouvé donc le bon chemin, c'est bien le niveau 3 ça je crois. Tu as un délai dessus. Ah, pas de problème. Ouais, lui il est un peu tricky en glace. Il est effectivement un petit peu tricky. Tu utilises Discord ou pas, Lyrix? Pas besoin de parler, hein, juste besoin d'être présent. Bon, écoutez. Ok, je sais pas à quel point tu connais ou pas. Nina, t'as dit quoi de beau? Il y a un succès pour le faire en moins de 23 mouvements. Sérieusement? Il y a des succès genre... Oh mon dieu, mais quel enfer! Point d'exclamation Discord, tout bête. T'as déjà gagné une game dans le truc là, le propane? Le coup de l'autre caché. Ah oui, plein de fois. Ouais. T'as réussi à gagner une game là-dedans? Ouais, un paquet de fois. Pas une, hein. Non, mais quand tu joues les mecs, tu dois attraper les mecs. Alors, je n'ai jamais été dans celui qui doit trouver. Alors, à chaque fois, je me cache. Ah, c'est impossible de trouver tout le monde, c'est trop grand. Ah, peut-être que c'est dur à en trouver, ça, je sais pas. Le temps que tu ailles. Après, il n'y a pas besoin de trouver tout le monde. Il y a un ratio de points. J'avais vu à la fin. Ah ouais, il n'y a pas besoin de trouver tout le monde. T'as des trophées, tu dois trouver tout le monde. Ah bah ça, oui, ça c'est encore autre chose. Ça, je dis pas contraire. Mais ça, c'est en trophée. Moi, tu m'as demandé si j'ai gagné une game. La réponse est oui. Oui, oui, bah, gagner une game quand tu joues les trucs qui doivent se cacher, c'est bidon. Mais c'est, pour le coup, je trouve ça génial comme jeu. Enfin, mais tout le parc d'attraction, c'est la première fois que ça m'amuse autant, ces conneries. Hein. Ok, allez. Let's go. Donc point d'exclamation Discord, Lyrix, si tu peux. Si tu connais après, moi ça me dérange pas que tu viennes pas. C'est quand même bien en défi. Mais Xelanos, hein, parce que les joueurs mobiles là... Vas-y, montre-nous. Attends, je vais prendre ma gourde juste avant qu'on lance. J'arrive, comme ça le temps. Lyrix, il a le temps de venir sur le Discord. Ah non, mais attendez, annulez, merde. Annule, quelqu'un annule. Lyrix, annule. Viens pas, putain, parce que j'ai lancé en mode récompense. Yes, trop bien. Tac, mode compagnie. Ah, là c'est bon, tu peux même plus annuler là. Là c'est bon. Voilà. Ok. Et bonsoir, donc Iré, bienvenue à toi. Yo, merci. Enchanté. Est-ce que tu as déjà fait des défis, Iré? Alors, je t'entends très faiblement, je vais augmenter ton son. Merde. Il a dit oui, non? Non. J'entends pas du tout, attendez. Il a dit non. Il dit... Attendez, je vais baisser le son du jeu. On va augmenter Discord, on va le mettre à fond. Hop là, voilà. Donc il a dit non. Ah, c'est Nina qui a poule. Oh la vilaine. Allez, ban de la guilde, ban de tout. Ban. Elle poule à la place du tank. Oh là là. Donc tu l'as jamais fait, Iré. Bon, c'est pas très dur globalement. Non. C'est comme le. Pardon? Non, ouais, effectivement, okay. Je l'ai jamais fait. Mais... Pas de soucis.
En gros, le plus dur, bah, il faut. Il y avait plein de trucs à esquiver. Donc, c'est le même. Tout pareil. Je crois pas qu'ils avaient plus de points de vie. Mais il y a le malus. Et donc, voilà. Selon la couleur de la boule qu'on prend, et bah, il va y avoir soit les petites boules grises esquivées, soit il faudra sauter, soit il faudra qualité des orbes dorés, soit il faudra qualité des orbes rouges. Bref, il y a. C'est du mouvement, c'est de la. C'est de l'acuité visuelle. Ni plus ni moins. Donc voilà, mais bon, si Xelanos peut le faire sur téléphone, vous pouvez pouvoir le faire sur PC. Hein. Attends, c'est pas prouvé qu'il peut le faire. Hein. Non, mais attends, j'ai presque tout fait sur téléphone avec le bar. C'est vrai, j'ai déjà tout fait avec lui, hein, Xela. J'ai même fait le Red Elite défi. Ouais, ça c'est. Bon, il est en DP, en tank ou en DP, c'est pas la même chose. Hein. Je l'ai fait, j'ai fait donc, le. Enfin, j'ai pas fait le défi, mais j'ai fait en l'élite Red en heal. On l'a fait cette nuit à 2h du match, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc petite explication, Iré. C'était même pas moi le problème. Là, quand on sera à 30 stacks, tu vois, je sais pas si tu le vois en haut à droite de l'écran, donc t'as les stacks. À 55, tu meurs instantanément. Voilà, y a pas de. Bah, bisous, c'est fini. Donc là, en gros, à 30 stacks, on va prendre la boule. Je vais la prendre en vrai, d'ailleurs, maintenant, c'est pas mal. Tac. Donc là, on kite comme d'hab. Là, tu vois, y a les boules rouges. Donc là, tu t'arrêtes pas. Tu cours. Sans énergie des copains, même en bouton, hein, tu cours, tranquille. NP. Donc tu vois, selon la boule, c'est toujours un truc différent. Donc la rouge, ça sera toujours ses AO au sol. La grise, c'est les boules en mode bullet hurl. Jaune, c'est les petites boules à kiter. Il y a quoi d'autre? Et violet, faut sauter. C'est la plus relou en vrai, la violet. Merci Carlton pour le faux. C'est de loin là. Moi, je vais courir autour du pion. Hop. Ça marche bien, ouais, ça va. Ok. Ouais. Donc toi, là, je prends la grise. Ok. Il va y avoir sur ton ancienne position plein de boules qui vont pop. Donc écartez-vous de votre ancienne position. Et plus vous êtes loin, plus les boules elles sont espacées et plus vous pouvez les esquiver pépère. Voilà. C'est un petit debuff de zone. On va voir si Xela il sait faire du heal de groupe ou pas. C'est pas sûr. Et... Le ça c'est normal. Sortez de la OE. Moi je m'encarre mais je suis paladin. Préparez-vous à prendre quand ça pop. Go. On saute. Là, tu sautes sur place. Enfin, tu sautes où tu veux, sur place, ailleurs. Ah putain, ça c'est vraiment pute. Faut sauter quoi. Jusqu'à. Tant que t'as le truc violet sous tes pieds, tu sautes. Okay. Quand tu l'as plus, bah voilà, c'est bon, faut arrêter. Voilà, on défonce bien les ads. Et en fait, plus le temps passe, plus ça devient compliqué, parce qu'en plus on s'approche des 55, rouge. Ok, elle enquête les zones au sol. Et donc en gros, c'est pour ça qu'il y a quand même un DPS check. Là, on est bon, hein, DPS. Mais il y a un DPS check parce qu'au bout d'un moment, bah, on va être baisé. Ah. T'en es en une, là, sur la... Ah, bah, la mulette est morte, tiens. Ah bah. On a même pas le buff, je crois. Tristesse. Bonsoir, Cartoon. Je viens de réussir. Ah bah, GG. Bon, je te parle, je sais de quoi tu parles. Toi, c'est le... de glace. Allez, déchirez-le. Voilà, après ce qui est bien, c'est qu'il a pas de point de vie, il meurt direct. Ok, premier boss, c'est tout bon. Go le deuxième. Le moment de vérité, de toute façon, on sera sur le dernier. Avec la puissance de l'île de Xelanos. On a le believe. Il a l'air sympa ce petit jeu, on devient un mouton. Il y a plein de trucs comme ça, Cartoon. Les strats PVE du jeu. Pour moi, hein, sur un jeu qui vient de sortir, n'ont rien à envier aux autres gros MMORPG. Sachant que là, on est au tout début, genre le tout premier raid, c'est bien plus poussé que ce qu'on avait à l'époque sur WoW FE14 ou autre. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu vient de sortir, mais il a déjà des années d'expérience, et pas que sur le PvE. Hein. On a hâte de voir les prochains raids. Alors, il y a un nouveau truc qui sort demain qui s'appelle le Royaume Arcanique. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a des étages isolants à monter. Celle-là est un peu une... Certains disaient que ça ressemblait à du Mythic Plus. On va voir ça, mais... Très très hâte.